Bonsoir. Bonjour, mademoiselle, ça va bien? Ben oui, ça va pas bien, vous? Moi, ça va très bien. Ah, c'est un feu perdu, là. Non, j'ai pas de véhicule, là. Fait que je marche un peu, là. Avez-vous Vous un avez véhicule? pas? Non, moi j'ai pas de véhicule, je viens d'arriver ici, mademoiselle. Ah, ok, moi aussi, ben là. Ok, comment allez-vous? Vous vous appelez comment, vous? Je m'appelle Gilles. Et vous? Je m'appelle Gilles. Gilles, ok. Moi, là, je m'appelle Lucienne, Leblanc. Attends, il y a quelque chose qui m'énerve. Allez, vous êtes là? Comment ça, je t'entends en double? C'est dégueulasse. J'entends bizarre, moi. Ah, désolé. Oui, c'est ça, Comme... là. Oui, qu'est-ce qu'on disait, là? Ah oui, je m'appelle Lucienne Saint-Germain Leblanc, et vous? Moi, je m'appelle Gilles Leblanc. Ah, mais attends, c'est trop d'attente, ça, on a le même nom de famille. Ah ben, attends. Ah, Attendez un instant. votre mère, ça s'appellera pas Montadine Elle s'appelait... Saint-Gilles-Joseph, là, ça s'appelle Ma comment? mère... Ma mère, elle s'appelait Rosalie. Rosalie, ben oui! Ben non, arrête-toi donc, toi, là! Arrête donc, toi, tu me fais une joke, là! Tu me joke, là! Allez, va faire Rosalie, là! Hey! Monsieur Leblanc! Je vous parle, vous, que vous appelez? Je pense que c'est le monsieur ici qui il a l'air perdu depuis tantôt. Il a l'air louche. Non, oui, non, il a perdu son téléphone. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, là, il y a une photo, mon bon monsieur! Oh, une belle photo, c'est drôle, là! Ben, ça a l'air qu'il n'y avait pas une photo de moi. Ben, je disais, là, mais moi, il y a un qui veut, lui. Il donne sa fille, tu sais, les jeunes prennent ça de nos jours, tu sais, son tour des boursiers, là. Ah, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, mais t'as C'est l'air drôle, d'avoir fumé quelque chose de bon, mon homme. Boy. là! Oui, Hey, il arrête pas de bouger, là. Il était pas stressé, viens là. ici, monsieur. Non, Bonjour, non, mais monsieur. peut-être que. Hey, ta Dis-moi, mère. stressé, Votre. là. Ta mère, es-tu jeune? Je peux te taper, je peux te faire des bonnes sandwiches. Ok, laissez-le tranquille, là. Je pense qu'il est nerveux. Là. Il entend peut-être, je sais pas, un taxi, je sais pas. Il était comme nous autres, mais il était pas correct, là. Comment allez-vous, mon cher monsieur, la curatia, là? Comment allez-vous? Ben oui, moi ça va très bien, oui, merci de le demander. Ah, mais une agréable journée à vous aussi, là, monsieur, là. Ah, mais je pense qu'il était perdu, monsieur, là. Oh non, il y avait. Non, il est revenu! Il s'arrête. Bon, ben écoute, hein. Hey, t'es peut-être en train de chercher quelque chose, là, des. C'est bon, là. On dit, c'est quoi, là, monsieur Leblanc, là? Votre mère s'appelle Rosalie, puis mon père s'appelle Justin. Là, ça veut dire que vous êtes peut-être mon frère, là. Ah, Je peux... appelez-vous Justin Leblanc? Mon père s'appelait Ghislain Leblanc. Oui, puis votre mère, est-ce Ça, que je c'est peux te le Rosalie? confirmer. Rosalie, c'est En chair, en chair et en os. Rosalie, mon père, c'était quoi son mari? C'était mon C'était Rosalie Gertrude, c'est ça, hein, Gertrude? Quand vous êtes mon frère, non, vous? Hey,
voyons donc, Ma mère, elle s'appelait Rosalie Jacinthe Leblanc. Oui, c'est ça, ben oui, c'est ça. Ah oui, ben Karine, on est frères et sœurs, hein, que c'est ça, là? Sont où tes petits-enfants? Ah, mes petits-enfants, mais là, ça fait peut-être à 4 heures, je sais pas, quelle heure, là. Des voleurs? Je sais pas. Hein? J'en ai aucune idée qu'elle a eu. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Bon, moi j'ai besoin d'un véhicule. Mais là, j'ai pas de véhicule, là. Monsieur, là, je sais que vous aimez ça marqueter, là, mais ça sert à rien de revenir à chaque fois, là. Oh! Sacrement! C'est... Aïe, 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 aïe! Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Oh, wow, 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 wow! Oh là là, wow, hey! Aïe, 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 aïe. Vous correct? Est-ce la porte de colis? Est-ce correct? Avez-vous le dos viré ou est-ce correct, là? Est-ce correct, monsieur? Vous avez cassé? Non, non, je suis correct. Un peu mal. Il a le dos, hein? Oui, oui, mon petit, là. Mon dieu, roule vite! Aïe, 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 aïe! Oh mon dieu! Hé! Qu'est-ce que c'est là, là? Ouh! Ah, vous allez... Débarquez du véhicule, monsieur! Ah ouais! Débarquez! Ah, oh, t'inquiète! Il est bien installé, hein? Je vais te ramener ton véhicule d'ici... C'est peut-être de fumée, Colin! Hé! C'est vraiment la santé! Monsieur! Débarquez du véhicule! C'est confortable, hein? Vous êtes confortable? Oui, c'est pas... Hé, attention, attention, là! Hé, boy! Ah ouais? Oh mon... Hé, doucement, là! Hé, là, là! Hé, oh mon Dieu, Seigneur Jésus! Oh, Seigneur! Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, est-ce que c'est ça, là? Aïe! Aïe, aïe, aïe! Êtes-vous correct? Êtes-vous correct, monsieur? Non! Aïe! Ça veut dire que vous êtes brûlé quand même pour la balle, vous êtes battu pas plus, hein? C'est quand même mort pour votre âge, là! Aïe, 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 aïe! Ah, pourquoi vous avez frappé le monsieur, monsieur? Parce que le monsieur, il m'avait frappé un premier. C'est quoi le problème? C'est méchant? On touche pas au vieux. Bonsoir, mon cher monsieur, vous allez bien? Oui, bien, bien. Oui, parfait, ça. Comment allez-vous, là? Oui, bonsoir. Bien tous d'arriver, là. Oh, ben vous aussi, ben Colin, en santé, en santé. Ah, ah, pardon. Parce que je vois pas trop bien, là, à mon âge, là, tu sais, là, j'ai des petites lunettes de vue, là, mais je vois pas grand chose, là. Vous appelez comment, vous, là, là? Moi, je vais pas partir. Hein? Quoi? Vous êtes quoi, là? Vous appelez comment, hein? C'est quel âge, madame? Ah, moi, là, j'ai au moins 65 ans, là. Oui. Vous avez arrêté de compter après 65? Effectivement, oui. Vous êtes un petit vite, là, vous, là, là, là. Ah, vous êtes un petit vite, hein? Hé, hey, bébé! Hey, je suis sûr qu'il y avait des petites jeunes filles, là, qui vous courent après, vous, là. Pas vraiment. Lui, c'est mon copain. Ah, non! Ah, c'est votre copain. Oh, mon Dieu. Oh, c'est mon couple. Non, c'est mon frère, Gilles Leblanc. Oui. Enchanté, monsieur. Enchanté, le jeune. Vous avez quel âge? Vous allez comment? Moi, j'ai 70, à ma connaissance. Ok, vous êtes plus vieux que votre sœur. Ben, c'est un peu normal, mon père. Mon père, il a été plus rapide que son père. Attendez. C'est vrai, on a le même père. Ça n'a pas d'allure. Ça
T'as pas d'allure. Non. Trop de cognac. Je suis chanceux. J'avais deux pains, mais... Ah, moi aussi, j'avais deux pains. C'est drôle, ils ont dit au dépanneur, ça fait 25 ans. J'avais 25. C'est quoi, fait longtemps que vous... Sinon, là, vous avez un métier, quelque chose? Non! Je suis retraité, moi. Vous êtes à la retraite, depuis combien de temps? Ouais. Ben, je suis à la retraite de la retraite, là. On est vieux retraités, là. Vous habitez pas dans une résidence? Quelconque? Non! Non, je me rappelle plus comment ça s'appelle. 13 enfants, mais encore à mon âge, moi. Ben, courez un petit peu, là. Courir un peu. Ben, il faut jouer au l'hôpital, là, mais c'est correct. Crise de cœur, c'est maintenant. Ah oui, crise de cœur, là, c'est à peu près, là, c'est là. En tout cas, pas de suite, là. Vous avez quand même... C'est quoi? Oh. Bonsoir, monsieur. C'est quoi une crise de cœur? Me rappelle plus. Ça va très bien, merci. Je me sens pas bien, là, je pile sur un monsieur. Ah ouais? Les petits gangsters. Des parents. Vous êtes des bandits, c'est ça? Des bandits? Non, je suis juste un voleur. Oh, des chinois de la cahier, vous. J'ai volé un stylo à ma preuve. Ah, et je comprends. C'est quoi? Hein? Oh. Des chinois de la cahier! Ah! On est juste des chinois de la cahier! Excuse-la, ma soeur est un peu sourde. Je pense qu'elle s'est trop masturbée dans le temps. Oui, on m'entend. Hey, vous êtes pas obligé de parler aussi fort, monsieur, je vous entends, là. Je sais pas, vous dites on m'entend pas, après vous dites on vous entend, mais vous êtes décidé dans la vie. Ben oui, je vous entends, là. J'avais un beau chapeau, là. Je pense que le monsieur ici à terre, il a besoin d'une ambulance. Monsieur! Êtes-vous correct? Vous avez un beau chapeau, vous, hein? Vous avez un beau chapeau? J'ai pas de chapeau, madame. À part si vous parlez du gars avec la casquette, là, mais sinon, y'a personne qui a un chapeau. Ah non, vous avez pas de chapeau, mais on dirait que vous avez un chapeau, non? Mais non, bougez des tuettes. Quelqu'un veut un bat? Ah mon dieu, je croyais que vous avez un chapeau. Un quoi? Un bat. Ah, mon cher monsieur. Un verre. Oui, de l'herbe. Comment allez-vous, alors? Attends. As-tu dit un bat ou un verre? Un bat? Un bat, non. Ah moi, non, je fais un peu. Mais non, c'est pas bon pour la santé, ça, là. Ben oui. Ah, t'inquiète, t'as 70 ans, j'en ai vu. Qu'est-ce que ça? Ça m'a donné un coup de coude, ça fait mal. Mon dieu, t'as une belle voiture, monsieur. Je peux-tu l'essayer? Allez-y. Parfait. Quel argent vous avez acheté ça? Je l'ai vu. Ah. Ça, il faudrait pas le dire. Alors, vous pouvez faire la droite? Vous êtes quelle origine, monsieur? Qui ça, moi, je... Français! Ah, madame, est-ce que vous savez que... Mademoiselle! C'est quoi ton nom? Ah, madame, apprenez à continuer! Là, je suis parti comme il faut, là! Vraiment pas. Madame, est-ce que vous avez déjà conduit une voiture dans votre vie? J'ai entendu un brrrr, comme si j'allais frapper un chien. C'est un chien! Ouais, frappez-moi, madame, ouais, frappez-moi, mais... Oh mon dieu, je suis désolé, oh Seigneur Jésus! Non, mais fais-moi dans la jambe, le signe! Oh, je suis vraiment désolé, oh, voulez-vous. C'est rendez-vous chez New Look, là. Non, c'est bon, non, je veux pas de bisous magiques, je veux rien. Non, vous voulez pas un petit bisou magique? Non, pas de béquet bobo, là. Ah, pas de béquet bobo, bah. Pas de béquet magique, là. Non, c'est off. On n'est pas encore assez proche pour ça, madame. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas assez proche, hein. Pas de maquillage, j'ai très réussi. Genre 10 minutes, je vous connais, même pas 5 minutes, genre. C'est. On va pas se grouser maintenant. Non, vous êtes déjà en couple, fait que comment je pourrais vous guider? Ah non, je suis en couple, voilà, là, je sais pas. Comment en couple? C'est qui lui pour vous, madame? Damaillette. C'est ma soeur, monsieur. Vous êtes frère et soeur? Frère et soeur, oh, moi, ma femme. Ah, c'est perdu! Toutes mes désolances, je m'excuse, vous. C'est perdu dans la brume, ma femme, dans le temps. Non, jamais. Vous avez entendu dire que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, ce qui est sérieux? Ouais. Aucune idée, je connais pas ça, moi là. Vous connaissez pas l'Ukraine et la Russie? Attends, je connais pas ça. Yo, madame, vous manquez quelque chose, Ah ouais? C'est les nouvelles, là. Yeah, beau. Les nouvelles, c'est fou, c'est rien que la bochette, les nouvelles. Il a pas fait son stop, là. Il a pas fait son stop, effectivement, là, c'est ça. Juste des criminels dans cette ville-là.
Ma mère, elle m'a toujours dit de pas parler. Elle m'a toujours dit. Un légume, c'est ça? Il veut devenir une salade d'avocat, une salade d'avocat. Du avocat avec du sel et du poivre, s'il vous plaît. C'est tout ce matin, guacamole. On doit savoir. Non, on veut pas plus de détails, madame. Désolé, c'est déjà trop pour nous. Il bouge, je t'ai dit. Faut pas la convaincre. Vous parlez de sa diarrhée toute la soirée. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, madame et monsieur? Moi, je suis retraité. Je l'ai dit tantôt. Comme moi, je trouve. On fait du rap, hein? Vous avez tellement de jupes, mesdames et messieurs. C'est votre style. T'as du drip, hein? Vous avez du drip. Du drip, j'aime bien ça. Comment on fait pour tomber à terre comme faire le verre de terre? Ah, tu dis à ton ami de te frapper ici, puis tu fais le bacon en taille. Pas dur. Ok, frappez-moi. Non, moi je frappe pas. Ma mère m'a toujours dit de pas parler aux étrangers, juste aux criminels. Voyons donc. Ah, ben posez, vous pouvez nous parler à nous alors, monsieur. Ah, vous êtes un criminel? Vous faisiez quoi dans la vie, vous autres? Des gentils criminels, vous voyez. Juste lâcher l'école après 15 ans. Ah ouais? Moi je me rappelle à 15 ans, j'étais. Vous étiez en train de faire la guerre, cachez nos journées et tout ça? Non. J'ai fini la guerre à l'âge de 18. Ah, c'est pas ça. Après ça, je suis devenu parrain de la mafia à 25 ans. Vous êtes devenu parrain de la mafia, monsieur? Continuez en plus. Retraité après 10 ans. Je voulais plus rien savoir, c'était de la merde. Ouais, ils vous ont pas menacé de mort, genre? Vous êtes devenu parrain de la mafia comme ça? Non. Après, vous êtes parti, vous avez dit, moi je prends ma retraite de parrain de la mafia, ciao, pao. Non, c'est eux qui sont partis toute la prison. Oh, fuck, vous avez tout ça. Ça avait pas travaillé. Vous les avez tous signés, genre? Non, mais je suis parti avant qu'ils le fassent. Oh. Moi, j'aurais tout tué un par un. Mais imagine un jour il sort de prison puis il vous snitch, monsieur. Attends, je fais comment? Okay, il dit tout. Vous savez vous savoir quelque chose là, à l'âge de 15 ans, qu'est-ce que je faisais moi? Sans détail, pas. Faisais quoi? J'ai perdu ma virginité à l'âge de 15 ans. 15 ans? Oh, puis je fais quoi là? Oui, les boys, c'est pas qu'on a pas ça à faire, mais je fais quoi? C'était un plaisir de vous connaître, mesdames et messieurs. Passez une agréable vie, perdez votre virginité autant de fois que vous voulez. Ouais, ça fait plaisir! Soyez prudents, les gars! Mais qu'est-ce que tu fais? Yo, pourquoi t'as volé une voiture? Yo, man, là, tu dégages! Yo, bro, vagabond! Je me sens off? Ouais. Ok, ah, moi c'était à cause que. Are you afraid of the dark?